Partout dans le monde, les gens sont frappés par la hausse des prix des aliments et du carburant. Voici trois moyens qui pourraient nous aider à combattre cette crise. Mais vous allez voir, ce n'est pas aussi simple que ça. 1. Réduire les impôts. La plupart des choses que nous achetons ont une taxe de vente, ce qui veut dire que lorsque nous achetons un produit, une partie de l'argent va au gouvernement. Mais si le gouvernement réduit la taxe, les biens coûteront moins cher. L'impôt sur le revenu peut également être réduit. Mais il y a un risque lorsqu'on décide de réduire les impôts. Les gouvernements pourraient se retrouver avec moins d'argent à dépenser. Les réductions d'impôts devraient toujours être compensées par des réductions de dépenses, sinon elles pourraient conduire à un déficit pour les gouvernements. Du coup, des secteurs comme l'allocation au chômage, les services publics ou encore l'aide au transport pourraient bien en pâtir. 2. Augmenter les subventions. Des subventions pourraient être augmentées ou introduites pour certains produits comme l'essence. Alors, si le gouvernement prend en charge une partie du coût de ces produits, ils reviendront moins chers. Du coup, vous pouvez allouer une partie de votre argent à d'autres nécessités comme le logement qui verra aussi ses prix augmenter probablement à cause de l'inflation. Mais pour payer de façon répétée ces subventions, le gouvernement devrait trouver cet argent quelque part. Ils pourraient, dans ce cas-là, augmenter les taxes qui seront imposées sur leurs citoyens et cet argent sera ensuite injecté dans les subventions. 3. Réduire l'inflation. De nombreux pays connaissent l'inflation, les prix ne cessent d'augmenter. Pour la réduire, les gouvernements pourraient, par exemple, augmenter les taux d'intérêt, ce qui augmenterait les coûts d'emprunt pour les personnes et les entreprises. Ce qui aurait une influence et pourrait augmenter aussi le prix d'achat de certains biens comme des maisons ou des voitures. Les personnes seront susceptibles de dépenser moins, ce qui baisserait la demande et qui serait donc susceptible de baisser les prix. Mais des coûts d'emprunt élevés peuvent nuire à des personnes mais aussi à des entreprises. Prenons l'exemple d'une entreprise qui voudrait produire un article. Elle risque de dépenser plus pour le produire et donc tenir compte de cela lors de la vente. Le prix sera donc plus élevé, ce qui se répercute sur des gens comme vous et moi.